Nous poursuivons cette édition avec l'histoire coloniale de l'Algérie pour parler de l'avant-première honorifique consacrée hier au très attendu film sur Larbi Ben Mhidi, héros de la guerre de libération algérienne, le long métrage d'une durée de 1h55 réalisé par Béchir Draïs, a enfin été projeté à Alger devant 1700 personnes. Il retrace le parcours militant du Shahid et l'une des figures marquantes de l'histoire du pays. Vous savez, quand un réalisateur se met à travailler sur un film, son rêve c'est d'être présenté au public. C'est vrai que cette occasion, on a aujourd'hui la sécurité nous a dit qu'il y avait 1500 assis et 200 places debout entre les couloirs. Donc ça veut dire qu'il a été présenté devant 1700 places. Il faut faire ce genre de film pour habituer le public à ce genre de quand on parle de la révolution. Il faut habituer le public à parler de l'humanisme, de l'esthétique, de la romance, de la fiction. Parce que l'histoire, sans fiction, sans romance, il y a très peu d'histoires qui peuvent faire des films.